Tu vois qu'elle ramasse les documents et qu'elle les lit. Y a rien là-bas. Me dites pas qu'il manquait des documents. Il manquait des documents? C'est tout ce que vous avez trouvé? J'ai tout je me pris. Tourne vers Marquis. Je me tourne vers Marquis aussi. J'ai tout pris. Il a tout pris, je suis repassé dans la cabine, il n'y avait plus rien. Tu vois qu'elle est perplexe, regardez encore une fois. Essaye de la passer à travers une lumière, peut-être qu'il y a une encre magique. Qui se relève à la lumière. Je vais essayer, je vais voir ce soir ce que je peux faire avec. D'ailleurs, quand tu nous as dit qu'on a vu un fantôme, on a vu un gros monstre dans l'eau qui a tenté de nous bouffer. Et il avait rien de naturel, je viens d'une famille de pêcheurs, je connais pas ce truc-là. Je confirme, il était énorme. Me dis pas que la gamine était avec nous depuis le début. T'étais avec nous, toi? Où est-ce qu'elle est? T'aurais pas pu m'aider hein, pendant que j'étais en train de batailler, espèce de garce. Espèce de garce. La gamine, elle a 8 ans. Freddy, c'est une gamine. Ta gueule, salope. Elle a la moitié de mon âge. Elle a l'âge que j'avais quand j'étais en train de... quand j'étais petit pour devenir un héros. À son âge, j'étais déjà destiné à devenir un héros. Alors bah... là, si je la trouve, je la bute. Bah, en attendant, moi, contrairement à toi, j'ai pas les pétoches et je suis pas tombé dans l'eau. J'avais pas les pétoches, mais je suis bien tombé dans l'eau. Elle te tire la langue... Et elle disparaît. Courageuse, la petite. Ah, et ce que je fais, c'est que je donne à Luna un papier vierge et je vais essayer de lui dessiner grossièrement la créature. Oui, c'est un squale. Un requin, quoi. Ouais, bah, enfin, nous, c'est la première fois. Quoi, vous avez jamais vu de requin? Non. Il était pas naturel. Non, les requins, ça monte pas sur l'eau. Sur l'eau. De sur la terre ferme. Attends, vous êtes en train de me dire que vous avez vu un requin marcher sur la terre? Je crois que Saphira a pris un trop gros coup sur la tête. Voilà, je me tourne vers Saphira. Au dernier nouvel, c'est moi qui a fait me noyer. Ça va, Saphira? Non, il était en train de nager sur nous, mais... Concrètement, oui. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je voyais un requin. Et c'est toi qui le regarde maintenant, Freddy. Comment ça, pas naturel? Qu'est-ce qu'il avait, ton squale? Ah bah écoutez, j'en suis sûr. J'ai vécu 8 ans près de la mer et j'ai étudié beaucoup de livres dans la salle du destin. C'était pas un animal naturel. Tu la vois avec une espèce de lueur d'espoir dans les yeux, tu la vois se lever. Il faisait combien de taille à peu près? La taille de la pièce? Deux fois la chaloupe? Oui, là. La taille de la pièce, peut-être plus grand? Tu la vois qu'elle reprend le papier et regarde la position, elle commence à étudier la carte. J'ai l'impression que ça lui parle plus qu'à nous. Parce que ces êtres, parce que ces créatures marines qui sont pas naturelles sont peut-être justement les défenses pour la fameuse île, par au truc de Jack. Et que actuellement, bah, on vient de trouver la carte pour les esquiver. Mieux que ça. Vous venez de me confirmer mes propos. J'ai perdu 3 navires dans cette région. Maintenant, je sais pourquoi. On va aller à cette... Si vous... On va définitivement aller à cette position, mais... J'espère qu'on n'est pas en train de se jeter dans la gueule du loup, et il y a des chances que ce soit le cas. Je pense qu'on y sera dans 2 jours. Alex, je suis pas très chaud là. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Jack of Blaze soupçonnera un piège. Il ne tombera pas dans la part. Diversion. Plus sérieusement. Vous la voyez avec... un espoir est mélangé à de la crainte. Clairement, elle est en train de jouer la roulette russe là, avec cette histoire, en fait. Si tu veux bien laisser ton navire à l'arrêt quelques minutes, le temps qu'on fasse aller-retour à la salle du destin pour mieux s'équiper.
Mais vous pouvez pas vous re-téléporter sur le navire, il n'y a pas de... Il n'y a ce aucun... Ce saut de la guilde permet de se re-téléporter à la dernière position où on s'est téléporté. Décidément. Le navire est en mouvement. Sauf s'il reste sur place. Sam va ordonner qu'on jette l'ancre. Aïe, Captain. Et tu la vois sortir. Si tu regardes comme... Actuellement, on a besoin de tout l'équipement possible. Et franchement, les deux armures de plaques sont largement pas trop. Pas du bien, effectivement. Vous m'avez dit que vous êtes allé à Hogval. C'est ça. Si vous cherchez de l'équipement, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ouais. Est-ce que vous savez qui est enterré à Hogval? J'ai de savoir, parce que si je le sais pas, je me frappe. Scarlet Robe. T'as deviné. Mais ouais, il m'a battu. J'ai reconnu la statue par terre. En tout cas, la statue était à terre. À terre, tu dis? Ouais. Lorsque vous téléporterez, ça vaudrait peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, je pense. Le souci, c'est que tu pourras pas venir nous rejoindre à Hogval. J'ai pas besoin d'y être, c'est surtout pour vous. Je te dis ça parce que c'est l'endroit où elle est enterrée, il s'agit d'une des plus célèbres héroïnes. Qui sait, peut-être qu'elle a quelque chose de valeur sur elle. Ça sera plus utile à une morte. Ouais. De toute façon, on avait encore des choses à faire à Hogval. Vous entendez un bruit strident, visiblement quelque chose qui vient de tomber lourdement dans l'eau. L'ancre est levée. Je vous conseille d'y aller. Je n'ai pas envie d'attendre que Jack soit au courant qu'on a intercepté son navire. Pas de soucis. Je vous laisse 2 heures. Pas plus. Largement suffisant. Rapprochez-vous. Bon, moi j'utilise le mien. Mais je suis obligé. Tu fais ce que là. T'es pas obligé tu fais dessus, ce que hein. Tu veux, mais. Des fois que le bateau il est bougé, si on retombe à l'eau. T'inquiète, mais non. Et qu'il y a le requin. Ah oui, c'est ta première fois, t'inquiète, ça va bien se passer. Hop. Oui, en fait. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'aime bien, ils vont retourner sur Terre, Saphira, elle va embrasser la Terre. Ah yes, c'est bon. Alors, du coup, où est-ce que vous vous téléportez? À la salle du destin. La salle du destin. Hop. Bordel, on est où? Ah merde, du coup, attends, t'es pas là, toi. Il faut que je t'ajoute. Ah, c'est vrai, Flynn, il va falloir que tu lui expliques. Bah, non, t'inquiète, je lui ai expliqué, Oh, putain. Je suis ta sœur. Je suis d'accord. Maman. Bon. Hop. Oui. Bah, c'est ici qu'on s'est entraîné, tu sais. Allez, s'occuper de Baluchon. Hop, l'armure de plaque pour... Voilà. Pour toi, Saphira, l'armure d'Arcon, pour toi, Flynn. Allez, hop. Hop, allez, vous équipez. Y'a pas d'endroit un peu... Non. Lily, elle a fait avec pendant 10 ans. T'as ici, là, derrière les trucs de flèches. Tu as une dame qui s'approche de toi. Je peux vous aider, si vous voulez. Il y a un endroit plus approprié pour une dame. Elle regarde méchamment, les messieurs. Oui, je vous permets pas, t'es ma sœur. Raison de plus, oui. Pervers. C'est cet endroit. Non mais je reste. Je fais que regarder. Lily a fait avec pendant 10 ans, ça va, c'est pas un drame. Elle t'indique là justement derrière les trucs, tu peux être à l'abri des regards indiscrets. Et quel est votre nom en passant? Mon nom est Selena. Enchantée Selena. De je même. M'appelle Saphira. Elle t'incline la tête et ensuite elle te laisse, elle va s'occuper de son fils. Je vais me changer en arrière. Ouh.
toute façon, tu te fous pas à poil pour équiper une armure, hein. Tu restes techniquement en tenue. Oh, hein. Mais quand même. Alors, par contre, les deux, on se repose pas, c'est on s'équipe et on part hélico. Oui, bah, deux secondes, on se change. Voilà, moi, c'est prêt, j'ai juste une armure de cuir à mettre. Alors, vous mettez un bon petit moment à retirer ces armures poisseuses pleines de bouts de biscottes et de trucs pourris et autres pour revêtir enfin des tenues décentes. Notamment notre ami Alex, non pardon, notre ami Flynn qui se sent revivre enfin une tenue digne de sa stature. Bisous biceps. Bon, il y a une tenue, il y a une tenue de bandit pleine de sel. Je suis en train de pleurer. C'est le plus beau jour de ma vie depuis 10 ans. Tenez-moi une minute, on est sur la terre ferme, on est pas dans l'eau, on est pas sur l'eau. Alors malheureusement, on va y retourner. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais ce qui s'est passé sur la barque? N'en parle à personne. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé sur la barque? Tu veux dire quand Freddy... Elle m'a tiré de l'eau et m'a sauvé la vie. Bon, Lisandre, je pense qu'on va les laisser tous les trois, on va se téléporter tous les deux. Ah, mais c'est parce que je sais pas si beaucoup de personnes ont vu la scène. Moi, personne n'a pas vu la scène. Mais du coup, là, vous allez les laisser dans la salle du dessin, du coup. Non, mais moi, j'ai mon médaillon. Oui. Lynn a son propre médaillon. Ah, d'accord, j'ai rien dit. D'ailleurs, j'ai régénération à 25% par heure. T'inquiète, on a fini les combats là, donc. Je me mets fou, du coup. Ouais. Et donc, on se re-téléporte sur le navire, normalement. Ah, vous prenez au navire sur cette bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, oubliez, on peut y aller. Comment ça? Elle m'a juste. Flynn, qu'est-ce que t'as fait? Pardon, Freddy, qu'est-ce que t'as fait? t'es pas. Toi, tu te fais pas schizophrène, ok? On a déjà assez de marquer sur les bras et de moi, et en plus, je suis en train de développer une formule. Ah qu'est-ce que t'as fait? J'ai failli me noyer, espèce de bâtard inconsidéré. Quoi? Comment je tue? Quoi? Comment je suis en train de me noyer? Demande à la mer, c'est sa faute! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette barque? Arrivez! Il s'est pensé que ta frangine a essayé de me sauver la vie. Toi, t'étais où pendant que j'étais en train de me noyer? Hein? Espèce d'ingrat! On a 10 ans qu'on vit ensemble! Mais je savais même pas que t'étais en train de te noyer! Ah, mais ça, j'ai vu! T'as foutu avec 10 pierres sur moi, je te signale! Ah, mais ça, j'ai bien vu! Y'en a aucun d'entre vous qui m'a aidé à remonter sur le bateau! Vous avez dû vous débrouiller tout seul! Bah, ouais. Comment ça, ouais? Bah, c'est un abordage, quoi! Vous pouvez pas savoir que t'allais pas réussir à monter sur un putain de bateau! Du coup, qu'est-ce que vous faites? Marquis? Oui. Embarque Flynn avec toi. Je mets ma main sur l'épaule de Lisandre et on se téléporte tous les deux sur le navire. On va laisser les trois se régler leur compte eux-mêmes. Hein. J'ai dit embarquer Flynn avec vous. Alors, Freddy, tu peux pas parce que c'est lui qui a le deuxième saut. Ouais, ben, voilà. il peut bien le confier à sa sœur. Non, d'ailleurs, je vais prendre ma sœur, on va partir sans toi. Non, tu non, continues. Non. Comment ça, non? Bon, du coup, on vous avez... tout le monde avec nous. Il y en a deux qui se téléportent, du coup. Enfoiré. Vite le médaillon. Pendant. C'est qu'il la prépare sa blague depuis 10 minutes. Les vies qui t'ont encore pris sur sa blague. Bon alors du coup, les trois autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, de toute façon, par contre, moi j'avais compris qu'on devait aller à Oakval. Donc Non, attends, monsieur le médaillon, t'es gentil, tu te ramènes sur le bateau. D'accord. Le mec il veut partir en tournée. Oui, je veux que vous me ramenez sur le bateau moi aussi. T'es mal poli en ce moment, Freddy. Mais quelle espèce de voyeuse cette gamine. Elle aurait pas pu partir avec les autres, celle-là? Je te jure, je suis sûr, elle était en train de regarder dormir dans la chambre hier. Quand tu dis celle-là, tu entends un petit poing.
contre ton armure de plaque au niveau de ton pied. Mais bon, t'as rien senti parce que c'est de la plaque. Freddy a du cuir. Non, j'ai pas dit Freddy, j'ai dit Saphira. Saphira. Petite, oublie pas de t'approcher à moi pour la téléportation. C'est déjà le cas. Cool, allez. Mon frère. Quoi? Oublie ce que j'ai dit, tu peux te téléporter. Ouais. Tu vas où? Allez. Bah je vais sur le bateau. Retournez donc tous sur le bateau. Eh ben c'était rapide. Bon. Disons qu'on pouvait juste faire un aller-retour si on partait pour Ogval, on pouvait pas revenir ici. On peut aller à Ogval maintenant. Ah, d'accord. Ah, en fait, j'ai toujours la hache en obsidienne, alors du coup. Je la récupère. Merci. En tout cas, on t'accompagne jusqu'à la destination. On ira à Ogval une fois ceci fini. Tu es sûr? Ah, sûr. Je sais pas ce qui se passera là-bas. Je sais que ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. Et clairement, j'ai pas envie de te laisser aller dans une mission suicide comme ça. Personnellement, je t'accompagne. On y sera dans 2 jours. C'est pas... Il reste encore du temps avant qu'on décide de partir. Et puis nous sommes des héros, nous aussi, on doit bien se serrer les coudes. Mais de toute façon, c'est comme vous voulez. Bah, si jamais on refait une halte, oui, on refera un saut vite fait à Ogval. Non. MJ, t'es chiant. Aïe 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 aïe, oui j'avoue, mais même je le saoule. Allez. J'ai même pas vu ce qu'il a fait. C'est très bien, continue comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce qu'on s'arrête ici? Moi je vais quand même un moment dans le dos de Flynn, trouver un moment pour avoir en fait cette conversation rapide, je suis sûr, avec Saphira. S'il veut. Comment ça, s'il veut? parce que Flynn la lâchera pas, c'est ça le truc. Si. Non. Attends, sinon, il y a un moyen pour les séparer. Comment ça, non, bon, bah je... Il y a un moyen, sinon, regarde, pour les séparer. Là, je me glisse entre les deux, là, vite fait, comme ça. Hop, 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 et je lance pousser. Pendant que vous êtes en train tous les deux de vous disputer, du coup, il y a une petite main discrète qui vient s'approcher. Viens, on est bien. Ah merde, elle est aplatie. Voilà. Oh, perso. Hop. Bon, du coup, si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment. Après, on peut se séparer sur le bateau, hein, à un moment où vous avez pu être tranquille. Hein. Bon, Saphira, tu viens? Bah, en tout cas, Sam va retourner dans sa cabine. Moi, d'ailleurs, je vais dormir parce que... Voilà. C'est vrai, toi t'es crevé, va te coucher. Saphira, Je vais te fumer, Freddy. Pendant que justement ton frère n'est pas là, elle te fait un petit clin d'œil et elle rentre et ferme la porte. Et elle ne la ferme pas à clé. Je vais suivre Freddy. C'est même entrouvert la porte maintenant. Je vais suivre discrètement Freddy. Est-ce qu'on a vraiment mal? Écoute Saphira, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, mais c'était techniquement pas un PC, mais c'était mon premier PC. Et s'il n'était pas pour toi, d'accord? Alors on fait comme si c'était rien passé, hein. Donc c'est pas un reproche, hein. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, vraiment. Seulement, ça devient un peu bizarre, alors on va oublier ça tous les... Enfin, on va pas oublier que tu m'as sauvé la vie, hein, mais on va juste oublier les détails de comment tu m'as sauvé la vie, hein. On peut faire façon, ça. Oui, ça reste entre nous, de toute façon. Voilà, on reste amis, c'est ça, y a pas de malentendu. Oui. Parfait. C'est juste pour ça que tu lui tiens la jambe. Voilà, hein.
Du coup, ça recule. Bon, je peux te faire un câlin quand même pour m'avoir sauvé la vie. Bon, ça sans recul. Un câlin, un PQ. Non mais, et ça recule parce que elle m'a volé mon premier baiser, il était pas pour elle. Ah mais d'accord. T'es venu lui reprocher. Tu m'as sauvé la vie. L'ingratitude de cet homme. Non mais, je te dis, merci de m'avoir sauvé la vie, hein, vraiment, mais pour pas que ce soit bizarre entre nous, on oublie, ok. Voilà, enfin, les détails, on oublie le côté technique. On oublie que tu m'as sauvé la vie, du coup je te donne plus rien. Non mais voilà, bon. Tu vois, si j'étais vraiment écras, je dirais que t'as les lèvres douces. Bon, ok, t'as les lèvres vraiment douces, mais c'est pas le sujet. Bon, bref, tiens, voilà, je te fais un petit câlin. Merci quand même de m'avoir sauvé la vie. Je t'en dois une, vraiment. Bon, ben sur ce. Voilà, je vais faire un tour sur le pont. Et merci encore, hein. Attends, j'arrive plus à tourner mon pont en personnage. Et merci encore, hein. Oui. Le pont, c'est par là, au montant. Ah je sais pas où je vais, excuse-moi. Non, finalement, je vais par là, hein. Voilà. Du coup, Saphira. Merci à toi. Mais merde, oui, Saphira, oui, c'est oui. Devenu le love interest de tout le groupe et même des personnages extérieurs. C'est pas vrai, justement. Il y a son frère qui veut se la faire, il y a le second qui veut se la faire, il y a le mec qui vient celui qui veut se la faire, tout le monde. Moi, il y a Dame Sophia, m'en fous. Moi, je veux pas me la faire, je suis juste son chevalier blanc. Du coup, oui. Oh putain. Qu'y a-t-il, madame? Attends, quoi? Mais tu viens littéralement d'avouer que t'étais amoureux d'elle. Non, madame, en deux mots. Je commence à me poser madame. Des questions sur ma sœur et... Milady. Bon, enfin, non. Pendant que vous essayez de régler votre situation là-haut, du coup, Marquis et Alex, que faites-vous? Personnellement, je vais rester avec ma sœur pour voir un peu comment elle étudie les cartes et tout. D'accord, donc vous allez surtout étudier les cartes. Marquis. Je vais monter sur le pont. Aller sur le pont et méditer. Et toi, Flynn, tu dors pour attraper ta nuit dégueulasse. C'est ça. Avant que je pars du principe qu'il est déjà en train de roupiller, je pose des potions sur son lit. Je lui en donne deux. Et je me casse. Voilà, la fée des potions est passée. Des potions de quoi ? De soin. Okay. Très bien. Et du coup, vous deux, y en a un qui remonte sur le pont pour faire je sais pas quoi. Freddy, c'est bien ça ? Ouais, pardon ? Tu remontes pour faire quoi ? En fait, non, justement, il y avait juste un moment où Saphira m'a dit Fred qui attend, ou du coup, oui, j'attends. Oui. Du coup, moi, je les vois en passant. Salut. Bonjour, Marquis. Là, je regarde et je dis. Alors, je ne dirai rien. Flynn, vous avez ma parole. Allez vous bécoter, j'en ai rien à secouer. Non. Je remonte. Il y a juste rien à dire, va t'occuper de tes oignons. Ok, je vais dire à Flynn. Que ça se bécote. Il y a Freddy qui s'imagine déjà mort. Il ouvre la porte. Oh, ok, attends, je vais prendre un peu d'air en dessous. Il est au bout d'une canne, tu sais, juste au-dessus de l'eau avec le requin. Ma sœur fait quoi? Là, je réveille bon. Flynn doucement, tu vois. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le vite parce qu'il en serait capable, Stio. Non, mais je suis en train de le faire. J'étais heureuse de te faire ta connaissance. Laisse-moi dormir. Comment dire que notre cher frère Freddy est en train de draguer de la noblesse. Un sang pur. Ouais, ta sœur. Bah, j'ai... Hein? Ta sœur. Oui. Ma Attends. Je mets une main sur l'épaule. Tu vois, nous sommes frères. Et je veux bien te prêter le Sylvie. Ok, prête-moi ça deux petites minutes. Alors là, j'ai le Sylvie dans le... Putain, j'ai oublié le nom. Le Mac Taser doré. Dans les nains. Here's Johnny. Bon, du coup, Saphira, si t'as quelque chose à me dire, dis-le vite. J'ai pas le temps de dire. Mais si t'avais le temps que lui, oui, il était en train de les réveiller l'autre. Je te laisse 5 minutes d'avance.
D'accord. Pour aller où? Sur un bateau au milieu de l'océan. Est-ce qu'on peut monter en haut? J'aime jouer avec la nourriture. Bah, ça va être difficile de monter en bas, tu sais. Ok, on monte, on se replie, retraite. Moi je suis avec lui, avec le marteau de mon père. Et j'ai bien en fait, on a Roméo et Juliette, et les deux cousins. Freddy, reviens ici. Moi tu es Freddy. Oui. Moi manger cerveau Freddy. Moi suivre mon frère pour me rattraper. Je vais te fumer. Le sauté, vous allez manger. Tu reviens. Bon, du coup, qu'est-ce que tu avais à me dire? Du coup... On a 5 minutes d'avance. Ok. Tu sais... C'était juste pour te sauver la vie, hein. J'ai cru qu'elle allait avouer ses sentiments, j'allais... Oui. Mon perso aurait pété un câble. Allez-y, les enfants. Je serais allé voir Finn. Maintenant, tu pourras m'appeler beau-frère. Et t'entends juste plouf. Fin d'épisode. Camille meurtre avec lui. Alors... Je peux pas cacher ta tête, mais j'étais sur le net, j'ai vu ta sœur sur chat roulette. Arrêtez de briser, quatrième heure. Déjà que j'ai pas dormi, Freddy. Oh non. Ça va faire mal, Freddy. Oh merde. As-tu une bonne assurance, Freddy? Quelque chose à dire, Freddy? Une dernière volonté. Toi, t'es pas encore là, laisse-la se concentrer encore, la pauvre sœur. Ah, attends, bah c'est long. T'as dit 5 minutes, hein. C'est long ou c'est 5 minutes? C'est 5 minutes de 6 heures, genre. C'est long, 5 minutes, en fait. Oui, mais t'es un noble, tu sais que si t'as pas 3 domestiques, il te faut une heure pour te sortir du lit. Tu as vu que ça va plus vite. C'est 5 minutes de freezer là, c'est bon. Vas-y, finis ta phrase, je veux le fumer. J'avoue, c'est un peu ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a dit quoi? Que tu l'aimais? Non, mais non, elle a pas dit ça. Ouais, mais j'ai juste envie d'envenimer la chose, moi, ça, j'ai envie de rire. Et puis, tu sais, si tu as quelqu'un d'autre. What is love? Baby, don't hurt me. Ferme ta gueule, on va jamais finir. On va jamais y arriver. Non mais c'est ça, elle a déjà du mal à l'RP, la scène, s'il vous plaît. Soyons un peu raisonnables. Ouais, pas de mal. Et tu sais, si tu as quelqu'un d'autre dans ta vie... Mm-hmm. Bah, je vais pas intervenir. Merci. Bon, je peux pas dire, mais c'est lui qui intervient depuis tout à l'heure. Donc en fait on est d'accord, on est cool. Oui, c'était juste pour te sauver la vie. Parce que... Tu étais en train de te noyer. Ouais, ben, je te remercie encore pour ça. D'ailleurs, je lui tends le point. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à faire appel à moi. Vraiment, parole de Freddy. Bah, tout ce que j'ai pour lui depuis une séance, il m'a jamais fait ça. Toi tu m'as jamais vraiment sauvé la vie. Bon sang, il n'y a qu'un oiseau pour arriver à réveiller les morts. Qu'est-ce qui t'arrive? Grok, tu sais que t'es un Grok? Night and Queen. Quoi, encore eux? Me mangez pas! Me mangez pas! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu sais très bien qu'ils ne passeront pas.